Les éléments porteurs verticaux sont des éléments très 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 importants à calculer, mais aussi à dimensionner pour se rassurer que la structure va tenir, la structure ne posera pas de problème, la structure n'a pas de risque à ce qui concerne le flambement. Mais néanmoins, l'ingénieur est censé de respecter la procédure ainsi que le principe des calculs des structures. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations cette fois-ci sur le bâtiment R plus 5 qu'on avait commencé ensemble avec vous. Nous travaillons sur le pack complet des calculs des structures à la main, qui est très 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 important pour les ingénieurs en bâtiment et travaux publics, puisque comme vous le savez, un ingénieur ne peut pas se limiter seulement sur les logiciels. C'est vrai, certes, vous pouvez bien maîtriser les calculs des structures sur le logiciel comme Robot Structural Analysis Professionnel, okay, mais aussi tant d'autres logiciels. Mais l'idéal serait pour un ingénieur d'abord de maîtriser les calculs des structures à la main. Puisque si par contre que vous êtes calé déjà à la main, eh bien, je peux vous assurer que vous serez très 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 compétent. Allez-y comprendre, par exemple, vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a pas de l'électricité. Okay, ou par exemple votre machine tombe en panne et que vous n'avez pas la possibilité de calculer à part sur votre ordinateur. Parce que pendant ce temps-là, vous allez rater les marchés, on peut vous déclarer comme un ingénieur incompétent, ou bien vous allez faire comment? Raison pour laquelle les calculs des structures à la main, c'est très 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 important pour un ingénieur, puisque même si vous n'avez pas de machine ou carrément la machine a connu un petit souci, eh bien, l'ingénieur pourra également calculer aussi son projet sans avoir de problème. Et donc, les amis, nous allons enchaîner notre série de formations. Okay? Comme on avait commencé au début ensemble avec vous, nous avons déjà posté beaucoup de vidéos là-dessus. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Mais aussi, abonnez-vous sur notre deuxième chaîne secondaire. Okay? Académie de logiciels d'ingénieurs. Les amis, sans plus tarder, nous allons donc enchaîner nos séries de formations sur les calculs des structures à la main, comme je l'ai dit déjà au début. La formation que nous allons faire aujourd'hui, nous allons donc calculer ensemble avec vous les poteaux, ok? Ou justement les colonnes. Voilà. Donc, l'idéal pour nous est que les ingénieurs soient donc à mesure de bien faire les calculs des structures, soit sur un ordinateur, à travers bien sûr nos différents logiciels ou carrément à la main. Alors, ce que j'aimerais également vous rappeler une fois de plus, saviez-vous que un ingénieur qui maîtrise les calculs des structures à la main, mais aussi sur un ordinateur, à travers bien sûr nos interfaces ou applications ou logiciels, cet ingénieur est beaucoup plus compétent que celui qui maîtrise seulement sur une machine. OK? Ou bien par exemple, seulement à la main. Donc, c'est pour dire que le D, c'est très, très, très important. Mais d'abord, la base, il faudrait que vous puissiez bien maîtriser les calculs des structures à la main. Et donc, les amis, je ne serai pas être long. Si vous êtes prêts, nous allons donc continuer la partie, justement, des calculs des poteaux, ensemble avec vous. Vous allez maîtriser comment prédimensionner, mais aussi comment calculer, justement, les poteaux. Sur les calculs des structures à la main, je vous avais présenté au début le plan du travail. Sur ce plan du travail, premièrement, on avait vu le chapitre 0. Je vous avais dit qu'il s'agissait tout simplement de l'introduction générale. Le chapitre 2, c'était donc les calculs de la dalle. Le chapitre 3, les calculs de poutres longitudinales. Le chapitre, justement, 4, ok? Disons, le chapitre 2, c'était les calculs de poutres longitudinales. Le chapitre 3, ce qu'on avait vu, je crois, récemment ici, c'était donc les calculs du portique. Et puis le chapitre 4, c'est donc la fondation.
Dedans, nous allons voir ensemble avec vous les calculs de Longrine, mais aussi les calculs de semelles. Et là, on fera donc deux types de semelles. Premièrement, une semelle isolée normale, ok, comment la calculer à la main. Et puis de deux, une semelle sous poteau. Et puis le chapitre 5, on verra donc l'escalier ainsi que l'ascenseur. Donc, ce que nous allons enchaîner aujourd'hui, donc ça entre directement dans le chapitre 3, c'est-à-dire les calculs du portique, ok. Maintenant, nous allons voir comment calculer des poteaux, ou notamment une colonne. Alors, à l'entrée des jeux, les amis, avant que nous puissions voir rapidement les prédimensionnements, alors il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre en réalité c'est quoi donc un poteau ou c'est quoi les poteaux en béton armé. Ok? C'est quoi donc les colonnes en béton armé ou bien prenons seulement un poteau en béton armé. Déjà, ce qu'il faut comprendre au moins, les poteaux en béton armé sont tout simplement des éléments porteurs verticaux avec armature incorporée. Ça, c'est d'abord d'une manière un peu simple. Comprenez que les poteaux en béton armé sont des éléments porteurs verticaux avec armature incorporée. Ce sont donc les points d'appui, ok, eux les éléments porteurs de l'ossature et transmettent justement des charges concentrées. Ils servent donc à supporter les poutres, les lintons, le plancher. Donc, d'une manière générale, en fait, c'est ça. Donc, c'est comme si vous voulez, par exemple, calculer donc, déjà un poteau. Il faudrait que vous puissiez comprendre qu'il s'agit bien sûr d'un élément porteur, mais qui est justement vertical. OK? Avec, bien sûr, des armatures incorporées. Alors, comment maintenant l'ingénieur peut prédimensionner d'abord un poteau? Alors, j'aimerais également dire un mot là-dessus. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs manières de prédimensionner justement une colonne ou bien un poteau. Il y a plusieurs manières. OK? Mais néanmoins, l'idéal est que la procédure que je vais vous montrer ici, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, mais aussi ça vous rapproche tant soit peu de la précision. Comment il faut faire ça? Regardez ce que je fais ici. Dans le prédimensionnement, j'ai commencé d'abord par définir lambda. Par définir d'abord lambda. Par la formule, qu'est-ce que je fais? Vous avez lambda ici qui est égal justement à la longueur, donc LF, qui est bien sûr la longueur des flambements, sur les I-min. OK? Je commence d'abord par ça. Sur les I-min. Alors, dès que je tire les I-min, ça veut dire quoi ici? Je vais directement remplacer là. Donc, j'aurai les A, qui est comme inconnu, ok? Puisqu'il faut savoir au moins que les A, c'est tout simplement la base de la colonne. Et puis, le B, ça sera comme la hauteur de la colonne à peu près. Donc, la section, ça sera dans les A fois B. Ok? Donc, c'est-à-dire, là, déjà, je prends A comme inconnu sur racine carrée de 12. Alors, maintenant, à ce niveau ici, je vais trouver rapidement d'abord lambda ici. Qu'est-ce que je fais? La formule, je vais trouver lambda, donc je remplace lambda qui sera égal à 0,7. Ok, ça c'est justement par rapport à l'encastrement, bien sûr. Vous avez donc un encastrement peut-être parfait en bas et puis libre de l'autre côté. Je prends 0,7 que je vais multiplier maintenant par la longueur L0. Alors, si je tire maintenant lambda, j'aurai égal à quoi? Je vais remplacer directement la longueur, c'est-à-dire cette hauteur, la hauteur sous plancher. Ok, par sa valeur. Dans notre projet ici, la hauteur sous plancher, on avait dit c'était de 3 mètres. C'est une hauteur identique, de 3 mètres. C'est-à-dire, là, je peux remplacer ça directement. Donc, lambda, donc LF, qui est égal à 0,7, dans les coefficients, multiplié par L0. Je prends directement lambda. Je remplace le L0 par sa valeur. Ça sera donc 0,7, multiplié par 300. OK? Les 300, donc, j'ai pris 100 cm. Les 300 n'est rien d'autre que le 3 mètres. Je vais calculer, ça sera dans 0,7 que je vais multiplier maintenant par les 300. Et ça me donne une valeur de 210 cm. Là, je crois que c'est bon, nous sommes ensemble avec vous. Étant donné que j'ai trouvé déjà le LF, qui est justement de 210 cm, maintenant, je peux le remplacer directement dans lambda ici. Puisque là, moi, je suis en train de chercher d'abord les A. C'est les A que je cherche. Les A qui est, bien sûr, l'inconnu. Je vais remplacer ça directement ici. C'est-à-dire quoi?
Je vais remplacer les LF par sa valeur trouvée ici. Donc, j'aurai quoi ici? J'aurai justement lambda qui sera égal à 210, c'est centimètres bien sûr, sur les A sur racine carrée des 12. OK? J'ai donc le numérateur de 210 et le dénominateur, maintenant, c'est les A sur racine carrée des 12. Ça sera égal à quoi ici? À ces niveaux, je peux directement tirer. Donc, je fais justement les chiasmes, comme on dit. Donc, c'est-à-dire que je vais tirer. C'est-à-dire, ça sera donc les racines carrées des 12 multipliées par les secondes renversées. Donc, je prends racine carrée des 12 que je vais multiplier par 210 sur A. OK? C'est la mathématique, donc c'est vraiment simple. Et là, je peux tirer directement A. Dès que je tire A, je trouve A sera, doit être égal, donc supérieur ou égal, à racine carrée des 12 multiplié par 210 sur lambda. Alors, maintenant, je dois remplacer, chercher aussi, trouver dans la valeur de lambda. Alors, je prends la valeur de lambda égale justement à 35. Donc, je peux directement remplacer. C'est ce qui me pousse à tirer directement A. Dès que je tire A, c'est-à-dire quoi? A sera supérieur ou égal à racine carrée des 12 multiplié par 210, qui est bien sûr le LF, sur 35. 35, ce n'est que la valeur de lambda, qui sera égale à combien? Dès que je calcule, je trouve une valeur de 20,78 cm. Et bien, je peux directement l'arrondir, donc, à 25 cm. OK? Donc, j'ai arrondi ça à 25 cm. C'est pour dire quoi? Là, je viens de trouver donc la base, justement, du poteau ou de ma colonne. Alors, ce qu'il me reste maintenant, je suis obligé également de chercher le B. Alors, regardez comment je vais trouver B. Étant donné que déjà, les A est connu, 25 cm. La formule est simple, sachant que B doit être supérieur ou égal à A. C'est justement par la formule. Soit je peux prendre A égal à B, ou par exemple B égal à A, ou carrément je dois avoir une valeur légèrement supérieure, ok, supérieure par rapport à A. Raison pour laquelle déjà la formule est simple, donc j'ai opté B égal à 31. C'est pour dire que la section... OK, du poteau que moi, je viens de prédimensionner, ça sera justement de 25 fois 35. C'est simple. C'est très, très simple. OK, donc c'est une procédure, donc, justement, simple, mais qui vous donne une bonne précision. Alors, étant donné que je termine avec les prédimensionnements, maintenant, je vais passer à l'essentiel. Les amis, j'insiste. Sachez-le bien que, comme je l'avais dit, le poteau en béton armé sont des éléments porteurs verticaux avec armature incorporée. Qu'entendez-vous par les éléments porteurs? Les éléments porteurs, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui portent la structure. Donc, déjà dans les dimensionnements, l'ingénieur ne peut pas s'hasarder. L'ingénieur doit bien calculer, doit avoir la précision pour éviter la prison. Pour éviter, j'insiste, la prison. Parce que vous le savez très bien aussi, par contre, que vous n'avez pas bien dimensionné, vous n'avez pas bien calculé, la conséquence, c'est que le bâtiment peut facilement s'écrouler. Le bâtiment peut s'affaisser. Le bâtiment peut subir un tassement uniforme. Tout comme le bâtiment peut subir un tassement aussi différentiel. Tout comme les colonnes peuvent aussi flamber. Donc, ça sera compliqué pour l'ingénieur qui a calculé les projets, mais aussi si et seulement si c'est la même personne qui avait réalisé. Donc, là, nous avons fini avec le prédimensionnement. Deuxièmement, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Après le prédimensionnement, je passe maintenant à la descente des charges. Alors, déjà dans ces petits croquis, vous avez l'aperçu de ce que moi je vais faire. Regardez le principe de la descente des charges. C'est-à-dire quoi? Je vais commencer tout au début. Vous allez remarquer très bien ici, le sixième niveau, bon, puisque je fais, j'ai considéré les derniers niveaux comme premier niveau, ok? Je peux faire soit vice-versa, il n'y a pas de problème. Je l'ai considéré comme ça juste pour avoir une idée claire dans le dimensionnement que moi je vais faire. C'est-à-dire quoi? Je vais commencer soit au-dessus. Le premier niveau et le deuxième niveau auront bel et bien justement la même section d'armature et la même section, bien sûr, des poteaux. C'est pour dire quoi? C'est le principe d'uniformisation. C'est-à-dire, dès que je dimensionne, par exemple, le deuxième niveau, la section que moi, je vais trouver ici, c'est celle que je vais uniformiser également au premier niveau. OK? Puisque vous le savez très bien, entre le deuxième niveau et le premier niveau, le niveau qui reçoit plus de sollicitations, ça sera justement le deuxième niveau. Puisque le deuxième niveau, ça sera donc son poids
si je vais évaluer seulement son poids, ça sera d'abord le poids du deuxième niveau plus celui du premier niveau. Mais tandis que si je vais évaluer le poids justement du premier niveau, ça sera que le poids du premier niveau, peut-être plus le poids de la dalle terrasse, puisque nous avons une dalle terrasse accessible. Mais tandis que pour le deuxième niveau, ça sera le poids du deuxième, plus le poids du premier, plus le poids de la dalle terrasse. OK? Donc, dès que je dimensionne la colonne du deuxième niveau, je vais l'uniformiser au premier niveau. Dès que je dimensionne également la colonne du quatrième niveau, ou le poteau du quatrième niveau, je vais l'uniformiser au troisième. Ainsi de suite, pour le sixième niveau, je vais l'uniformiser donc au cinquième niveau. C'est ça le principe. Deux niveaux, deux niveaux, deux niveaux. Maintenant, on y va. Je viens d'abord sur les niveaux 1, le premier niveau. Je vais commencer d'abord par là. Le premier niveau, il faut d'abord comprendre a priori le terme. Le DT, ok, dès que vous voyez le DT, sachez très bien qu'il s'agit justement de la dalle terrasse. DT, cela veut dire dalle terrasse. Le DH, c'est la dalle d'habitation. Le PP, c'est le poids propre du poteau. Et, OK? Donc, le ρB, c'est la masse volumique du béton. Les amis, c'est très, très, très important de bien comprendre les signaux et c'est très, très important de bien comprendre la nomenclature. C'est ça les secrets de bien faire les calculs d'écriture à la main. Dès que vous maîtrisez d'abord la nomenclature, vous maîtrisez également les symboles, eh bien, c'est déjà un atout pour vous. Je vais continuer. De l'autre côté, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais d'abord calculer maintenant le poids propre, c'est-à-dire le PP. Je vous ai dit déjà que le PP, il s'agit justement donc du poids propre du poteau. Je vais commencer d'abord par le poids propre du poteau. Là, je suis au niveau du premier niveau. Je suis donc au premier niveau. Passez-moi quand même cette tautologie. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais calculer le PP? Je vais directement les combiner, OK, par les 1,35. C'est-à-dire le PP sera égal à quoi? Sera égal justement, OK, au 1,35. Donc, je combine ça directement. Multiplié par les A, qui est bien sûr la base, fois le B, qui est donc la hauteur, fois la hauteur. C'est-à-dire la hauteur, c'est-à-dire quoi? C'est la hauteur sous plancher. Multiplié par sa masse volumique. OK? Ici, déjà, je peux remplacer directement, calculer ensemble avec vous. C'est-à-dire quoi? Je vais calculer d'abord ça, et puis je vais multiplier à la fin. Donc, j'aurai 0,25, que je vais multiplier maintenant par 0,35, que je vais multiplier également par 3, et puis multiplié par la masse volumique, ça sera donc 2500. Je trouve cette valeur. Je la multiplie aussi par le 1,35. OK? Dès que je calcule, je trouve directement la valeur de 8859,375. OK, les amis? Là, c'est bon. Maintenant, je vais maintenant trouver, ressortir rapidement d'abord le NIE. Les NI1. OK, les NI1. C'est-à-dire quoi? Les NI, comme on avait calculé déjà au début, ce n'est que la valeur de la descente des charges. OK, je vous avais déjà montré ça, la descente des charges. OK? Mais sachez-le que là, je suis d'abord au niveau 1. La descente des charges ici, sa valeur est là. OK? Qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant les NI. Sera égal à combien? Je prends d'abord OK? La valeur de NI plus le poids propre. OK? Le poids propre calculé plus le RB PL5. OK? Donc le RB PL5 DT. Qu'on avait déjà donc calculé ensemble avec vous. OK? Le RB, donc, regardez les réactions. Dans le RB, on avait calculé ça ensemble avec vous. Voyez seulement la vidéo que j'avais postée la semaine passée, ou je crois il y a quelques jours passés. OK? Dès que je remplace, je calcule, je trouve quelle valeur ici. Donc, j'aurai en quelque sorte 8800, donc 88 847 plus 8859,38 plus 130, OK, 233,88. Voilà, je trouve directement la valeur de 20, donc 227 940,26 newtons. Je mets directement ici. C'est pour dire qu'à ce niveau, j'ai trouvé maintenant la valeur
générale ou globale de N1. Bien sûr, je suis au premier niveau. Je passe maintenant au deuxième niveau. Je vais faire presque la même procédure. Le deuxième niveau maintenant sera égal à quoi? Sera égal à N2 plus 2 fois le poids propre. Ok? Quand je dis 2 fois, c'est-à-dire quoi? Le poids propre ici, ça sera multiplié par 2. Je vous avais dit que par rapport à l'uniformisation, la même section sera donc répandue exactement partout. D'abord, multiplié par 2 plus le RBPL5 DH plus le RBPL5 DT. 2 que je remplace, je trouve la valeur de NI2. La valeur est là. Je calcule aussi pour le niveau 3. C'est très simple. Le NI3 sera égal à N3 plus les 3. Ok? C'est-à-dire quoi? Les 3 là, cela arrive à dire quoi? C'est justement les poids propres. Ok? Dans le PP, les poids propres du premier niveau, les poids propres du deuxième niveau, ainsi que les poids propres du troisième niveau, puisque j'ai la même section, le 25x35. Donc les poids propres ne varient pas, ne changent pas. Je vais seulement le multiplier par le nombre des niveaux. Ok? Et après, je trouve maintenant le PP global. C'est vraiment simple, c'est pas compliqué. Je fais la même chose. Donc là, j'aurai donc 3 multiplié par poids propre, plus les 2 fois RBPL5 DH, plus le RBPL5 DT. Le DH et le DT, je vous ai bien donné ici. DH, c'est donc la dalle d'habitation. Ok? Le DT, dalle terrasse. Comprenez directement, il s'agit bien sûr de tout ce qu'on avait évalué. Là, je trouve directement la valeur de NI3. Je calcule aussi pour le niveau 4. Je vais aller un peu rapidement puisque c'est sympa. Je fais la même chose. NI4 sera égal à N4 plus 4 fois P propre, poids propre, plus 3 multiplié par RBPL5DH plus RBPL5DT. Je trouve directement la valeur que vous voyez ici. Je calcule également pour le niveau 5. La même procédure, mais cette fois-ci, là, ça sera fois 5 le PP. OK? Là, ça sera fois 4 RBPL5DH plus RBPL5DT. Je calcule, je trouve sa valeur. Et enfin, maintenant, je valide aussi pour le niveau 6. Le NI6 sera égal à N6 plus le 6 poids multiplié par PP plus 5 fois RBPL5DH plus RBPL5DT. Je calcule, je trouve également la valeur de NI6. Donc là, j'ai déjà évalué tout ce qu'il faut. Étant donné que je viens de terminer déjà mon évaluation à ce niveau, je suis obligé de faire quoi maintenant, les amis? Et là, je peux vérifier directement, faire la vérification d'excentricité d'hypoteau. C'est très, très, très important. C'est à travers ça que l'ingénieur pourra comprendre si et seulement si le dimensionnement sera fait donc en compression comprimée ou bien en compression simple. Tenez. Déjà, la formule nous dit quoi? Si l'excentricité qui sera égale à M, c'est-à-dire le moment max, sur N, le fort normal max, doit être supérieur ou égal à B sur 6. Si c'est supérieur ou égal à B sur 6, c'est-à-dire quoi? Nous sommes dans les cas de la compression composée. Mais tandis que si l'excentricité qui est justement égale à M sur N sort inférieur à B sur 6, c'est-à-dire là nous tombons directement dans les cas d'une compression simple, de la compression simple. Ok, vous le savez très bien. Donc quand on parle de compression simple, il s'agit tout simplement de l'effort normal, donc seulement le N. Ok, c'est pour dire que le poteau sera donc calculé en compression simple. Mais tandis que si nous tombons dans les cas de compression composée, c'est-à-dire que là, il faut tenir aussi compte de moments, ok? Des moments dans les calculs. Alors, nous allons vérifier ensemble avec vous. Prenons par exemple le poteau le plus chargé. Ok? La valeur qu'on avait trouvée pour le poteau le plus chargé, le moment max, c'était justement de 27 551,98 Nm. Et pour les poteaux, ok, le plus chargé maintenant, l'effort normal, puisque le même poteau le plus chargé nous donne directement le moment max ainsi que l'effort normal max. Ok? Ça, c'est simple, non, les amis, puisque vous le savez très bien, l'ingénieur ne peut pas dimensionner dans les cas normaux. L'ingénieur dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables.
pour être beaucoup plus en sécurité. OK? Mais aussi à veiller directement sur l'économie. Alors, ça veut dire quoi? Le fort normal max, on avait trouvé une valeur justement de 164 000. OK? Donc, c'était de 1 640 383,75 newtons. Alors, nous allons maintenant déterminer l'excentricité. Je vais utiliser seulement la formule, c'est-à-dire que ce sera les N, les M sur N. Je vais remplacer M par sa valeur. Je remplace dans 27 551,98 Nm. Et aussi, je remplace aussi la valeur donc de l'effort normal max, 1 640 383,75 N. OK? Eh bien, je peux vérifier ça ensemble avec vous, calculons. C'est-à-dire 27 551,98 divisé par 1 640 383,75. OK? Ça me donne une valeur de 0,012, 0,016, 79, ainsi de suite, que je peux arrondir directement à 0,02. OK? Alors, ça, c'est en mètre, hein? C'est en mètre, puisque là, je vais mettre mètre. OK? Puisque les newtons vont tomber. Ça va rester que le mètre. Alors, si je prends ça maintenant en centimètres, donc ça sera 2 centimètres. OK? Donc, je garde d'abord la valeur trouvée de 2 centimètres ici. Là, c'était donc pour la détermination de l'excentricité. Alors, maintenant, je sais que la valeur trouvée est de 2 centimètres. Maintenant, déterminons aussi les noyaux centrales d'inertie. OK? Puisque nous sommes obligés de comprendre si les noyaux centrales d'inertie se comportent comment. Alors, la formule est simple. Pour déterminer les noyaux centrales d'inertie, le N doit être égal à B sur 6. OK? Le B, ce n'est que la hauteur. OK? Puisque la base est, de notre colonne est de 25. Tandis que sa hauteur, ça sera justement donc est de 35. Tel qu'on avait prédimensionné. Ne confondez pas ici, puisque j'ai déjà résolvé beaucoup de cas ici. Des amis qui ont commis deux erreurs dans les calculs, au lieu de prendre la base, ils ont pris, au lieu de prendre plutôt la hauteur, ils ont pris la base. OK? Alors, dès que je prends maintenant B sur 6, je vais les recalculer aussi. Ça dit, j'aurai 35, c'est en centimètres que je vais diviser par 6. Je trouve une valeur de 5,83. OK? D'où, j'ai compris pour dire que l'excentricité ici égale à 2 cm tel que calculé ici trouvé sort inférieur à 5,83, OK, qui est justement le noyau central d'inertie. D'où la pièce travaille justement à la compression centrée, car justement le centre de gravité de la charge tombe dans le noyau central. Donc ça tombe exactement dans le noyau central. Vous voyez, puisque la section de notre colonne est de 25 fois 35. D'où notre poteau doit être dimensionné en compression simple. Vous avez compris, les amis? Donc, ça sera dimensionné en compression simple. C'est très, très, très important de les déterminer bien avant pour avoir la précision pendant les dimensionnements. Maintenant, à part ça également, je suis obligé de faire aussi la vérification de l'écrasement du poteau. Ça, c'est génial. Les amis, sachez-le que même dans Robot Structural Analysis, quand vous calculez, l'ingénieur doit toujours se baser à faire des vérifications. Il ne suffit pas seulement de dimensionner dès que vous obtenez le plan d'armature. Vous dites, waouh, chouette, c'est bon, tout est parfait. Non, il faut vérifier pour vous rassurer au moins que le poteau n'a pas de problème ou le bâtiment n'a pas de problème. Si vous avez dimensionné, vous avez quand même de la section d'armature, mais néanmoins, vous n'avez pas pris soin de vérifier, par exemple, l'écrasement du poteau, sachez-le que ça sera un peu compliqué pour vous. Donc, comment maintenant vous serez à mesure de vérifier l'écrasement du poteau? Eh bien, c'est juste question de prendre le N admis, doit être égal à 100 multiplié par la section du poteau, donc A fois B, multiplié par FE 28. OK? Bien sûr, du béton. Alors, maintenant, il y a des conditions ici. Si, par exemple, N admin, OK, sort supérieur au NI du sixième niveau, pourquoi du sixième niveau? C'est là où nous avons donc la plus grande valeur, bien sûr, de la descente de charge, l'effort normal max. C'est donc au sixième niveau. Puisque le sixième niveau, c'est justement donc l'effort du sixième niveau, plus donc l'effort du cinquième, plus des quatrièmes, plus des troisièmes, plus des deuxièmes, plus des premiers, OK? Plus de la dalle terrasse. OK? Donc, si le N admin sort supérieur à NI du sixième niveau, eh bien, donc, il n'y a pas d'écrasement du poteau. Mais tandis que si N admin
soit inférieur à NI du sixième niveau, sachez-le qu'il y a l'écrasement du poteau. OK? Alors, vérifions maintenant pour notre cas. Les Fe28 que nous avons utilisés ici, E de 20 mégapascales, OK? Qui est justement dans la résistance d'acier. Ça, c'est l'acier, hein? Donc ce n'est pas les bétons, hein? Les bétons, ce n'est pas les bétons, donc c'était pour l'acier. Donc sachez-le que, qui est bien sûr la résistance d'acier, OK? Dans le béton, pendant 28 jours. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est pour le béton, bien sûr, mais donc ça, c'est-à-dire, c'est l'acier dans le béton. OK? C'est-à-dire, ça représente tout simplement la résistance d'acier dans le béton pendant 28 jours. Donc, c'est ça, les Fe28. Alors, dès que je remplace ici les NAD, sera égal à 100 multiplié par le 25 qui est la base, fois la hauteur qui est le 35, multiplié par le 20 mégapascal ici, je trouve la valeur que vous voyez ici. Je peux également vérifier encore une fois de plus. Donc, j'aurai 100 que je vais multiplier par 25, que je vais multiplier également par 35, et enfin, je multiplie maintenant par 20. OK, je trouve une valeur de 1 750 000 newtons. OK? D'où, j'ai conclu ici pour dire que NAD est égal à 1 700 000 newtons, qui sort supérieur au NU du sixième niveau, qui est justement de 1 640 383,75 newtons. OK? C'est pour dire que d'autant plus que les N admissibles, OK, sort supérieur au NI du sixième niveau, donc il n'y a pas d'écrasement. Il n'y a pas d'écrasement puisque vous avez la valeur du sixième niveau déjà donc trouvée. Il n'y a pas d'écrasement. Donc là, je viens de vérifier. Donc tout est OK. OK? Alors, maintenant, après avoir vérifié, eh bien, je vais passer rapidement dans les calculs des armatures du poteau. Donc, j'ai commencé d'abord par la vérification. Maintenant, regardez comment je vais faire. Je prends par exemple le point A, je commence par les poteaux du rez-de-chaussée, c'est-à-dire du sixième niveau. Les poteaux du sixième niveau et cinquième niveau, OK, sont dimensionnés justement de la même façon ou de la même manière. Pour ce faire, nous prenons donc à titre d'indicatif les poteaux du sixième niveau, dont les résultats seront uniformisés au cinquième niveau, ainsi nous avons donc, c'est comme vous avez dit, donc dès que nous dimensionnons et nous trouvons la section d'armature du sixième niveau, nous allons uniformiser au cinquième, c'est des quatrièmes, nous allons uniformiser au troisième, ainsi de suite. Donc déjà, vous avez le NI du sixième niveau qui est de 1 640 383,75 newtons. Je prends ça à méganewton. OK? C'est-à-dire quoi? Je prends la valeur, donc 40 383. 75. Je prends ça, je le divise. Non, non, qu'est-ce que je fais? 16, 40, 383,75. OK. Et donc, je trouve directement la valeur en méganewton. Alors, étant donné que cela est calculé, maintenant, je passe au niveau de le lancement. Voilà, donc je prends l'élancement qui sera égal justement à LF, OK, la longueur des flambements, multiplié par les racines carrées des 12, comme on avait fait sur A. OK? Je vais directement remplacer le LF et je prends 0,3, multiplié bien sûr par 35, qui est la base, racine carrée des 12 sur 0,4. OK? Je tire donc la valeur de lancement qui est égale à 34, que moi je vais arrondir. Je prends donc le 35 qui est inférieur à 50. Donc, je calcule directement l'alpha ici. OK, je remplace seulement par la formule ici. Donc, ça sera 0,85 sur 1 plus 0,2, 1 plus 0,2, OK, multiplié par lambda sur les 35 au carré. Je tire, je remplace et je trouve directement la valeur de 0, alpha égale à 0,708 que je peux arrondir à 0,71. Voilà, je calcule maintenant la section, les AS ici. La formule est là, c'est simple. Donc, le NI sur alpha moins BR multiplié par FC28 sur 1,35 multiplié par gamma S sur FE. OK? Alors, vous le savez très bien, dans les AS, il s'agit justement de la section d'armature. Le BR, c'est la section du béton, OK? Moins les enrobages. OK? Donc, la section du béton moins les enrobages. Les gamma S,
la valeur, le coefficient est de 1,35. OK, maintenant je calcule le BR comme on avait fait, les amis. Donc ça sera égal à A moins 2 cm multiplié par B moins 2 cm. Donc je remplace directement. Les A, ce n'est que la base, OK, de la base du poteau. OK, moins les 0,020. Je prends ça donc en mètre. Hein. Là, c'est en centimètre. Là, je prends en mètre. Le B, c'est la hauteur du poteau. Je remplace toujours en mètre. Ça me donne directement cette valeur. Donc, le BR égale à 0,0759 mètres carrés. OK? Maintenant, je calcule directement la section d'armature, les AS. Je vais que la remplacer par la formule. Donc, puisque j'ai toutes les valeurs, dès que je remplace, je trouve la valeur des 0,003000 0,0034096 mètres carrés. OK? Donc, les AS est là, 0,003400096 mètres carrés. Donc, c'est en mètres carrés, hein, mais moi, maintenant, je prends ça en centimètres. Donc, ça sera AS égale à 34,10 cm carrés. Maintenant, condition de non-frigidité. Les A min doit être égal à 4 multiplié par mi, OK? Multiplié par M. Alors, je vais remplacer ça directement ici. Sachant que les A min n'est rien d'autre que la section d'armature minimale. OK? C'est la section d'armature minimale. Tandis que le mi, OK? Le mi M ici, c'est justement le périmètre direct angle. Le périmètre direct angle, ça sera le 2 multiplié par R plus le 2 multiplié par petit L. Donc, 2 multiplié par grand L plus 2 multiplié par petit L. OK? Dès que je remplace ici, donc j'aurai A min qui sera égal à 4 multiplié par 2 multiplié par 0,25. Qui est la base, plus 2 multiplié par 0,35, qui est la hauteur, qui est égal à 4,8 cm². Donc là, je viens de trouver directement la section d'armature minimale. OK? Alors, qu'est-ce que je fais maintenant entre les deux? On prend donc A max, qui sera donc égal plutôt à AS min. On prend donc AS, OK? Égal à 34,10 cm². OK? Soit, nous prenons barre de diamètre 20. Alors, maintenant, le nombre des barres, ici, comment trouver ça? La formule est simple. Donc, j'aurai 4, OK? AU, donc, les barres, OK? Donc, c'est simple, OK? Puisque dès que vous remplacez par cette formule le nombre de barres, comme je viens de le dire là, c'est-à-dire, étant donné qu'on a opté pour le diamètre 20, donc, j'aurai 4HI, OK? Barres sur le diamètre 2 carré. Je vais remplacer, donc j'aurai 4 multiplié par, je remplace directement par la section d'armature trouvée, donc le 34,10 cm² sur le pi qui est de 3,14 m multiplié par le 2 carré, donc 2 carrés. Le nombre, je trouve donc 12 barres, OK? Je trouve 12. Maintenant, là, ce que je fais, c'est quoi? Je prends directement le Ni, c'est égal à Nb multiplié par pi demi carré sur 4. Donc, j'aurai le nombre 12 que je multiplie par 3,14 multiplié par d carré sur 4. Je trouve la section de 37,68 cm². Donc, c'est pour dire quoi ici? J'aurai donc 12 barres de 20, OK, pour une section de 37,84 cm². Maintenant, le diamètre des étriers, c'est sympa également. Le diamètre des étriers, bien sûr, transversal pour les étriers, les cadres, tout ce qui va avec. Diamètre max sur 3. Diamètre max, pour notre cas ici, est de 20. Donc, je divise par 3. Ça me donne 6,67. OK? Donc, je peux encore vérifier ensemble avec vous. Donc, j'aurai 20 que je vais diviser par 3. Ça me donne une valeur de 6,66. J'arrondis 67. Donc, je peux opter pour le bar de 8 mm. OK? Puisque là, il s'agit bien sûr des colonnes au niveau de sixième niveau. Voilà, donc maintenant, le transversal, le T, sera égal à quoi ici? Doit être inférieur ou égal à 15, diamètre L min. Donc, j'aurai 15 multiplié par 2, ça me donne 30 cm. OK? 30 cm, donc je tire T égal à 15 cm. Donc, ça veut dire quoi ici? L'espacement, j'aurai donc le bar espacé de 15 cm. Les AT, sachez-le qu'il s'agit justement de la section d'étrier pour les armatures transversales, OK? Écartement qu'on a opté ici de 20 cm. Maintenant, la vérification des pourcentages. Vérification, les pourcentages de la section d'acier divisé par la section du béton doit être justement inférieur ou égal, OK?
à 5%. Donc, je fais ça rapidement. Donc, j'aurai les AS sur B doit être inférieur à 5%. Vous voyez, donc ce sont des pourcentages de vérification afin de respecter tant soit peu aussi les ratios. Je prends maintenant la section E à AS. OK, trouver le 34 sur 10, 34,10 sur le B, c'est-à-dire le A fois B. Je remplace directement et je trouve 0,038 multiplié par 100. Je trouve donc 3,8%, OK, qui est inférieur à 5%. OK? Donc, étant donné que 3,8% est inférieur à 5%, il n'y a pas donc de surdimensionnement. Vous voyez, les amis? Et donc, c'est comme ça que vous serez justement à mesure, bien sûr, de bien vérifier si est-ce qu'il y a surdimensionnement, OK? Pendant que vous calculez justement la colonne où il n'y a pas surdimensionnement. Il ne suffit pas seulement de calculer pour avoir, comme je l'ai dit chaque fois, pour avoir donc la section d'armature ou le nombre de barres. Non. Vous calculez, mais aussi il faudrait que vous puissiez être à mesure justement de vérifier les pourcentages reçus afin de se rassurer qu'il n'y a pas un surdimensionnement. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire. À ce qui concerne maintenant le plan d'armature, regardez à quoi ça ressemble. Ok, vous avez donc le plan d'armature là. De l'autre côté, j'ai 12 barres devant. Ici, j'ai donc l'espacement, justement, donc barre de 8, espacé de 15 cm, 15 cm. Vous avez dans la coupe. OK, transversal. Et puis là, vous avez le plan en masse pour essayer un peu de bien voir ça. Donc, ce plan d'armature est justement adopté pour le niveau 6 et 5. OK? Maintenant, voyons rapidement pour les niveaux 4 et 3. C'est comme j'avais dit, donc, c'est l'uniformisation. Ce que nous allons trouver au niveau du niveau 4, nous allons directement l'uniformiser aussi au niveau 3. Comme je l'ai dit, dans les poteaux du quatrième niveau et troisième, du poteau du quatrième niveau au troisième niveau, sont dimensionnés de la même façon, de la même manière. Pour ce faire, donc, nous prenons à titre indicatif les poteaux du quatrième niveau, dont les résultats seront uniformisés au troisième niveau. Donc, je prends la valeur, la même formule, hein, donc comme on avait fait, là, je vais aller un peu rapidement. Le NI du quatrième niveau est là. Je calcule, OK, rapidement les AS, la section, condition de nos frigidité. Là, je calcule directement les amines comme on avait fait. Je calcule également le mi, le périmètre du rectangle. Je vois, là, je trouve directement le nombre des barres. OK, donc 8 barres des 16. De l'autre côté, je trouve également pour l'espacement. Je fais la vérification en pourcentage ici. J'ai trouvé le 1,5%, inférieur également à 5%. Donc, je suis dans les bons. Je n'ai aucun problème là. Alors, dès que je descends, regardez maintenant dans le plan d'armature, justement du quatrième niveau, qui sera uniformisé aussi au troisième niveau. OK? Donc, c'est comme je l'ai dit ici, ce plan d'armature est adopté pour les quatrième et troisième niveau. Je passe maintenant pour le deuxième au premier niveau. Pour ce faire, les poteaux du deuxième au premier niveau, OK, sont dimensionnés de la même façon, de la même manière. Nous prenons un titre indicatif. Deuxième niveau. Regardez ce que je fais, la même procédure. Donc, vous avez la valeur de l'effort normal max. Vous calculez d'abord, vous trouvez d'abord lambda, vous calculez aussi les AS. Vous trouvez les AS, condition de non-frigidité, la même procédure. Et puis, vous calculez d'abord aussi les amines, c'est-à-dire la section d'armature minimale. Vous avez les périmètres des rectangles, calculés aussi. On trouve directement le nombre des barres ici. Donc, ça nous fait justement 8 barres, OK, des 10. De l'autre côté, je calcule pour trouver également l'espacement, OK, donc 15 cm. Voilà, vérification par rapport par rapport au pourcentage ici, sort toujours, là c'est toujours inférieur, 0,5% inférieur à 5%, donc il n'y a pas de surdimensionnement, OK? Là maintenant, vous avez le plan d'armature, OK? Donc, c'est pour dire que ce plan d'armature est adopté pour les deuxième et premier niveau, OK? Donc, les amis, voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant donc cette partie très, 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 très importante. À ce qui concerne donc les calculs et les dimensionnements justement d'un poteau, OK, en béton armé. Et donc, j'espère que vous avez bien compris ce qu'il faut faire. C'est très, très simple, les amis. Donc, maîtrisez d'abord les calculs des structures à la main et vous ne serez jamais déçus. OK, pour ceux ou celles qui veulent vraiment acheter nos formations, contactez-moi inbox. Acheter, ce n'est pas complet.
Je vais vous envoyer directement le fichier au grand complet. Vous aurez les fichiers, vous allez donc étudier ça pas par pas. Si vous avez des soucis, vous allez m'écrire directement et puis je vais intervenir. Donc je vais vous aider de manière à ce que vous puissiez bien maîtriser d'abord les calculs descriptifs à la main. OK? Donc voilà, là nous venons donc de terminer le chapitre 3 qui était très important pour nous, les calculs du portique. Prochainement, on pourra passer directement au chapitre 4. Ça sera donc la fondation. OK? Là, nous allons voir dans les calculs des longrines, ainsi que les calculs de semelles. Des semelles, bien sûr, au pluriel, hein, puisqu'on verra donc deux types de semelles là-dessus, semelles isolées et semelles sous poteau. OK? Voilà. Merci les amis de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi qu'Académie des logiciels d'ingénieurs. Passez une excellente soirée. Au revoir.